Alors, pour le problème de la montagne, ce qu'on cherche, c'est dans le fond cette longueur-là, ici. Donc, on veut la norme de ce vecteur-là et on veut aussi son orientation. Donc, l'orientation, c'est toujours par rapport à l'horizontale. Donc, on veut l'orientation ici. Donc, on veut la norme ici et on veut l'orientation. Comme on est dans un plan cartésien, on n'aura pas le choix de se fier sur les composants. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver horizontalement quel chemin a été fait et il va falloir trouver verticalement quel chemin a été fait. Alors, il y a deux façons de voir ça. Il y a une façon, on pourrait dire, c'est pour tout le chemin qui a été parcouru, ça a été quoi la distance horizontale à chaque fois? Donc, si par exemple je regarde ici en bas, ben, j'ai une petite distance horizontale qui est faite ici. J'en ai une autre ici, une petite distance horizontale comme ça ici. J'ai une autre distance horizontale d'ici jusqu'au vecteur V, qui est dans le fond juste vis-à-vis ici la fin du 20 mètres ici. Ensuite, j'ai horizontalement. Je vais prendre encore le mot. J'ai horizontalement cette petite distance-là ici, que V fait à droite. J'ai la distance ensuite à droite de mon W. Et voilà, c'est toutes mes distances horizontales. C'est-à-dire celle-ci, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Ce sont toutes des distances positives. Je peux faire la même chose avec mes distances verticales. Alors, j'aurai celle-ci. Celle-là ici, celle en noir qui est dans le fond, tout ça ici. J'aurai celle ici de mon vecteur V qui redescend, donc celle-là est vers le bas, et celle-ci, celle de mon vecteur W est vers le bas. Donc horizontalement, j'aurai celle-ci, celle-là, celle-là ici. Celle-là qui serait négative et celle-là qui est négative. Alors, ça, c'est une manière de l'aborder. L'autre manière, c'est. L'autre manière, ce serait de dire on veut toujours notre vecteur, comme ça ici. Ça nous prend nos composantes horizontales et verticales. Et à la place d'utiliser les différents mouvements horizontaux ou verticaux, je peux y aller avec les coordonnées. Je vais trouver les coordonnées de J et je vais trouver les coordonnées de T. En trouvant les coordonnées de T et de J, je vais pouvoir trouver la différence des coordonnées en X, qui va me donner cette longueur-là, et la différence des coordonnées en Y, qui va me donner cette hauteur-là. Voilà.